Bonjour tout le monde, vous allez bien? Bon, nous nous sommes séparés hier, Ambre et moi. Elle est partie à Donia, je sais pas trop quoi, j'ai oublié la deuxième partie. Donia Mancia, je crois que c'est ça, mais je ne suis pas sûre. Et moi, je suis restée à Antequera, voilà. Parce que je dois aller voir mon courrier, en fait, mon courrier post-restante. J'attends encore un deuxième courrier post-restante. Et en attendant, je trouvais ce parking pour me garer. Je suis arrivée hier très vite. J'ai quitté rapidement le parking où on était installé la nuit, c'est-à-dire l'aire municipale, l'aire de camping-car municipal. C'était vraiment trop bruyant. Bon, écoutez, c'est bien, c'est super bien. Merci à la municipalité. C'est vraiment bien parce que c'est rare qu'on trouve un aire de camping-car gratuite en Espagne. Voilà. Tout est gratuit, le parking, le stationnement, l'eau, l'évacuation, les ablutions, tout est gratuit. C'est juste à côté du stade. Et un peu plus loin, allez, on va dire 150 mètres plus loin, il y a un terrain vague où on peut aller se balader avec les chiens. Et l'autre côté du stade, dans la rue perpendiculaire, tout en haut, il y a même aménagé spécialement un petit enclos pour les chiens où on peut les laisser sans laisse parce que c'est tout clôturé, c'est tout fermé. C'est très bien, c'est parfait. Mais bon, c'est en plein centre-ville et c'est très bruyant. Donc, je trouvais ce parking-là qui est très joli. On est même en compagnie d'un cheval. Voilà. Et je suis restée ici la nuit, je suis arrivée hier relativement tôt, pour moi c'était très tôt. Et j'ai bien fait parce que le parking est saturé le vendredi à cause du marché. Bon allez, maintenant je vais prendre mon petit déjeuner et ensuite je vais aller au bureau de poste qui est quelque part là. A tout de suite. Juste un petit coup d'œil sur le parking. Voilà, il y a quelques vannes, quelques fourgons qu'ils ont garés quelque part, là derrière, contre le mur. Je préférais rester au soleil, c'est qu'en fait, hier, quand je suis arrivée, j'étais garée là. Ici, là, voilà. Ensuite, je me suis mis en face, là. Et maintenant, je me suis mis complètement à gauche. Ça a l'avantage que personne ne peut se mettre à ma gauche et me cacher le soleil. Parce qu'en fait, hier, le parking, je suis arrivé, je sais pas, il était 10h ou quelque chose comme ça. Une demi-heure après, le parking était archi plein à cause du marché. Tout le monde se gare ici parce que c'est un parking gratuit. Alors, en haut, il y a une porte d'entrée, une ancienne porte d'entrée, parce qu'Antequera, c'est une vieille ville aussi. Et il y a dans cette ville 27 églises. Non, je ne vais pas visiter les 27 églises. Allez, à tout à l'heure. Bon, et bien, au centre-ville d'Antequera, c'est pas très joli. Ça, c'est une façon de construire des maisons qui existe en Espagne, que j'ai toujours connue comme ça. Ces maisons comme ça, là, à 3-4 étages. C'est pas joli, mais déjà le ciel il est super bleu et ici nous avons une des 27 églises et tout au bout là, vous voyez la tour là, ça fait partie de l'Alcazar, c'est-à-dire la forteresse, l'ancienne forteresse de Almodovar, j'allais dire. Non, c'est pas du tout Almodovar, c'est Antequera. J'aime beaucoup cette architecture. Et on ne doit pas être très loin parce qu'il y a des véhicules de la poste. Calle Najera. Non, Najera. L'accent est sur le premier. Donc voilà, on est dans la bonne rue. Et voilà. Vous êtes arrivé. Quoi? Oui, merci. C'est mon GPS qui me dit je suis arrivé. Merci, je le vois. Je me trouve devant le bureau de poste. Et maintenant, la surprise. Est-ce que mon courrier est arrivé? Bon, pas de courrier. Il n'est pas encore arrivé.
Le monsieur qui était au guichet, le guichetier, il parle très bien anglais. Voilà, donc je vais revenir lundi, tout simplement. En attendant, on continue la visite. Une toute petite visite, comme ça, à l'improviste. Donc voilà, pas de courrier pour moi samedi, et bien tant pis, j'attendrai lundi, c'est pas méchant. Je suis sur un joli parking avec une vue magnifique, vous voyez là, c'est la vue que j'ai assis sur mon fauteuil derrière le pare-brise à l'intérieur. Le parking est assez sécurisé, la police passe régulièrement, ils se sont même arrêtés tout à l'heure, les 1h du matin, à l'heure à côté de Foxy, donc il n'y a aucun souci, ils m'ont rien dit, ils ont reparti. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis gros bisous, à bientôt, ciao ciao.